Salut à tous et à toutes, c'est Tsubasa et on se retrouve pour cette 25e vidéo sur XCOM The Enemy Unknown. Alors, on avait, comme ça peut apparaître, hein, on avait réussi à débloquer la fabrication d'armures archanges qui permettent de voler, alors que je suis en ce moment en train de me lancer dans la fabrication des armures titans. Qui ont l'air qui sont plutôt badass et en plus qui sont esthétiquement plutôt bien. Donc on va continuer. Nouvelle recherche. Alors, archange fabrication possible. Vol prolongé. Projet disponible de la fonderie. Archange est une armure lourde à laquelle a été ajouté un système de propulsion. Pas nouveau né, donc. Sélectionner la section. Ok. Ah, canon IEM, ouais, ça peut être pas mal ça. Hop, production. Par contre, ça m'a demandé encore plus. Et puis voici les nouveaux avions qui vont être possiblement construits. Fonderie, construction express, vol prolongé. Waouh, il faut tout ça. Mais je les ai. Il n'y a que l'argent que j'ai pas. Mais ça va bientôt changer puisque on arrive au fin de mois. Si je me trompe pas, voilà, dans 5 jours, c'est le conseil. Les soldats. Hop, les outils sont encore pour un jour. Désolé, je baille beaucoup parce que je fatigue avec la chaleur. Alors, hop, on va avancer. Des fusils laser. Tiens, je t'en envoie. J'en ai plein. Canon, réparation AML, projet disponible dans la fonderie. Ouh, ça a l'air beau. Réparation. Ok. Il restera un lanceur nucléaire guidé. ouais, mais j'ai pas assez pour pouvoir. Désolé. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Ouais, tu m'étonnes. D'accord. Fonderie. Il y a plein. Ah ouais, dès que j'aurai l'argent, je vais pouvoir faire plein de choses là. Hop, liste des avions. Hop, là, voilà. Alors, je vérifie. Vous voyez par exemple la nouvelle armure de Blarkan. Ça le fait tout de suite, ça a de la gueule. Lui, par contre, toi, t'avais une armure de titan, si je me souviens bien, mon petit bonhomme. Oh là là. Est-ce que j'ai. Ben non, j'ai avec 3 armures de titan. Ouais, dans 3 jours. Réception d'une transmission. Nous sommes vraiment impressionnés par les progrès du projet XCOM, commandant. Vos résultats dépassent de loin les attentes du conseil. Et ce n'est pas une chose qui arrive souvent. 4, 5, 6, 14. Ah, j'ai 14 scientifiques qui arrivent. 6. 14. 15 et 15 ingénieurs. Ça va. Nous vous recontacterons, commandant. D'accord. Hop. Bon, maintenant j'ai la thune. Alors. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Tu me donnes archange. 127. Il me faudrait 20. Allez, on va voir. Ouais, je peux en fabriquer que 4. Je peux en fabriquer 6 quand même.
production va démarrer tout de suite. Je vous contacterai dès que nous aurons quelque chose. Eh, ça le fait quand même. Il m'en faudrait qu'un... Est-ce que j'ai... Ah, je peux en fabriquer qu'un seul. Donc déjà, voilà. Je peux pas fabriquer beaucoup de Vulcain. Je regarde en même temps. Dans 3 jours, j'ai de nouveaux soldats. Alors, voyons voir dans la caserne. Qui c'est que j'ai récupéré? Un sniper. Oh, mais j'ai pas besoin de sniper. Je suis désolé, monsieur. Vous m'embêtez. Des alliages. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Alliages et fragments d'armes. Putain, mais vous arrêtez avec... Bon, et ben on va avancer. Un petit... Et ben on va aller à l'intercepteur... 3. On a la cible en visuel. On va pas y aller tout de suite, on va d'abord aller voir quel est le soldat qu'on a reçu. Un grenadier. Enfin, un grenadier. Eh ben non, c'est celui que j'avais déjà.
je devais pas recevoir. Ah, dans un jour. Ok. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, eh ben. Donc, ok, c'est parfait. Ben, on y va alors. Crash OVNI. Envoyer le mercure. Regardez-moi comment ça s'est l'air badass tout ça. Avec leur casque, il faut même peur quoi. N'empêche, 10 points en plus, alors que les autres armures qu'on avait avant, c'était 4 quoi. Nous avons le site en visuel, on descend. Allez, on y go. Maintenant, direction l'Argentine. La situation semble être la plus urgente là-bas. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, j'espère... Parfait, parfait. On va encore crapahuter dans la forêt. Enfin, ce qu'il en reste. Centrale, ici Rapace. Aucun contact hostile à proximité du site du crash. Strike One est prêt à sécuriser le vaisseau. Bien reçu, Rapace. Allez-y, Strike One. Essayez de vous approcher. Ah ouais, tout de suite, 20, 21. Des Goliath. Oh, le bord de la map est là. Le bord, il est là également. Ah, on pourrait peut-être être par là. D'accord. D'accord, donc par là-bas. D'où vient ce bruit ?
vaisseau a l'air d'être là, ok. Vous avez entendu? Il faut que je prenne cette hauteur. Oh, comme tu me déçois. Oh, Blarkan aussi, alors là, franchement, alors hyper déçu. Il a son compte. Voilà. Quand on veut que le travail soit fait, il faut demander au papa ours. Protection et on a deux blessés. J'ai entendu qu'il y avait du mouvement par là. Les yeux sur la cible. Ah bah voilà. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, Blarkan. Un
petit cadeau. Et il a plus de protection. Il est plutôt en train de passer à l'attaque là. Oh putain. Et l'autre il surgit du style ah ah, mais j'étais toujours là. Et oui, on le savait en même temps que t'étais toujours là, du coup. Sur pied. Oui, c'est ça, moi aussi. Je
cible. Je n'ai rien. J'ai raté ma cible. Ennemi à terre. J'ai rechargé. Objectif de mission accompli. Et ben voilà. Déjà, tout ce qui est endommagé, on peut vendre. Voilà, hop, ensuite, voyons voir. Non, pas assez de fourbons d'armes. Et de nouvelles armures titans. Juste revenir en arrière. Alors, quelle attaque est arrivée? Un sapeur, j'en veux pas. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant.
Les nouvelles recrues sont déjà au travail. OVNI moyen. Parfait. On a repéré l'ennemi. Allez, hop, un ovni moyen. Il doit y avoir une dizaine de personnes, je dirais. Enfin, de personnes. Entre guillemets. Il doit y avoir une dizaine d'extraterrestres. Est-ce qu'il y en a une quinzaine? Alors, il y en a 5 dans les petits. Dans les gros, il y en a une quinzaine. Donc là, il y en a une dizaine. Préparez-vous. La zone d'opération est aux États-Unis cette fois. Mm-hmm. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, ça marche. QG, ici Rapace. Répondez. On est dans le périmètre et on approche du site du crash. L'équipe Strike attend vos ordres. Affirmatif, Rapace. Strike One a la permission d'attaquer toutes les cibles hostiles sur les lieux. Bon, déjà, on est sur le bord de la map, ok. Non, comme ça, c'est pas mal, ouais. Donc on va obligatoirement se déplacer par là. Par là. Bon. Bon, faut sécuriser la zone déjà. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas par où ils vont arriver. Crash, elle est d'être là.
D'où vient ce bruit? Entendu? Quoi? C'était quoi ce bruit? Thank you.
T'as rien entendu ? Attention, l'ennemi réplique. Rien entendu. Je confirme. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Ennemi repéré. Yeah, bah ouais. Bon sang, c'était quoi ? D'accord, ils sont tous dehors.
quoi? Oh putain, je tire. Arrête un tir à bout portant. Nous attaquer de flanc. Aliens montrés pour cible. Neutralisé.
de mort. Tous les objectifs ont été accomplis. Non, il est pas mal. Bon, par contre, blessé, blessé et blessé. On s'est pris deux grenades dans la gueule. Heureusement qu'on avait nos nouvelles armures. C'est rare de voir une opération se dérouler aussi bien. Excellent travail, commandant. Eh ben c'est parfait, là. On va vendre tout ce qui est endommagé. Et on va voir, on a quoi? Un grenadier! Enfin un grenadier! Alors déjà, hop. Voilà. Voilà, alors, il faudrait une arme laser lourde. Ouais, t'as une carapace et une arme plasmique lourde, il lui faudrait. Plasmique lourde. Ah, j'ai plus assez. Merde, bon, bah tant pis. Allez, on va lancer juste l'opération, histoire de voir le terrain, avoir le petit briefing, et enfin l'Australie à défendre. Strike One, paré pour atterrissage. On a reçu plusieurs appels de détresse. Il faut sauver les civils. Faites vos bagages. On a reçu des rapports d'activité extraterrestre dans un centre urbain très peuplé. On devrait aller sécuriser la zone pour minimiser les victimes civiles. Elles ont de la gueule quand même, les armures. Centrale, ici Rapace. Liaison confirmée.
L'équipe Strike est en position près du site d'attaque. Attendons encore un coup dans le micro. Bien reçu, Rapace. Strike One, alpha vert. On a suivi la proximité. Priorité. Faites tout votre possible pour les protéger. Bah déjà, on n'a pas de civils à proximité, donc il va falloir les trouver. Voilà. Bon, en attendant, on va mettre fin à cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour donc le 26e épisode. En attendant, portez-vous bien, puis à la prochaine. Allez, ciao.